départ est validé donc pour cette dernière épreuve, le prix de la Société des courses, le Saint-Pont des Toits, une course de sur la distance donc de 2500 mètres avec Hohensteimer, le cadre, un excellent départ. Et qui était tout de suite en pari du commandement avec Rocketman qui vient librement également avec le numéro 9. Il s'agit de Joker les Vallons qui est le long de la corde. Coens Razzle Dazzle vient au centre. Vitamine Debré n'est pas loin du tout. On patiente pour l'instant à l'arrière-garde avec la casaque portée maintenant eh bien, par Cosfort Pérus. Les concurrents qui vont aborder maintenant le Méligne opposé. Toujours la même impulsion en tête avec Joker des Vallons qui a l'avantage. Renfis Acturus en seconde position. Coenstheimler est à l'extérieur, juste devant maintenant. Vitamine Debré avec le Genfer Trekkel qui n'est pas loin, avec Idéfix des Vallons qui vient à l'extérieur. Et c'est toujours pour l'instant à l'arrière-garde le numéro 2, Cosfort Pérus, qui ferme la marche de ce peloton. Alors qu'il y a un concurrent qui a dérobé dans la ligne opposée. Les concurrents qui vont aborder maintenant le tournant avec Renfis Acturus qui emmène toujours le peloton avec un très léger avantage avec Coenstheimler qui vient en seconde position. Cosfort Perle est en troisième position à l'extérieur, juste devant Vitamine Debré qui n'est pas loin du tout. On est le long de la corde avec le Genfer Trekkel devant Idéfix des Vallons à l'extérieur qui est également Joker des Vallons, vient complètement à l'extérieur devant Coens Razzle Dazzle qui n'est pas loin alors qu'on est au centre avec Longhetto Gemina. Et on ferme toujours la marche du peloton avec Cosfort Perus. Kazakh Merienne, les concurrents qui passent devant les tribunes une nouvelle fois se dirigent vers la deuxième haie de la ligne droite des tribunes. Il va rester un tour de piste à parcourir avec Cosfort Perle qui a pris l'avantage avec Renfis Acturus en seconde position devant Coenstheimler qui précède Klogen Fertrekel qui vient quatrième le long de la corde avec également maintenant la Kazakh de Vitamine Debré. Renfis Tabita qui est au centre du peloton. Joker des Vallons vient à l'extérieur, Kazakh de François Nicole devant Idéfix des Vallons, Coens Razzle Dazzle, Anisette alors qu'on est à l'arrière-garde avec Longhetto Gemina avec Rocketman et on est à distance maintenant battu avec le numéro 2 Cosfort Perus. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée, ils ont franchi une nouvelle haie et s'en dirigent vers la deuxième haie de la ligne opposée avec Logan Fairtrackle qui emmène maintenant le peloton avec Vitamine Debré en seconde position. On était en troisième position avec Renfis Acturus. Renfis Tabita est en quatrième position et vient de mieux en mieux regagner des rangs alors qu'on marque un petit peu le pas avec Coens Razzle Dazzle, avec Coenstheimer notamment. Joker des Vallons, il défixe les Vallons. Cosfort Perus et là les autres sont plus loin à l'image de Longhetto Gemina ou de Rocketman. Les concurrents qui sont maintenant dans le dernier tournoi. Pas de changement notable en tête, un peloton extrêmement étiré, échelonné dans cette épreuve avec toujours les mêmes aux avant-postes avec Coens Razzle Dazzle qui a pris l'avantage à l'extérieur. Klogen Fertrickel lui oppose une vive résistance au long de la corde alors qu'on est là également avec Renfis Tabita qui n'est pas loin, juste devant Vitamine Debré qui est quatrième. Les concurrents sont entre autres les deux derniers relais, les deux derniers obstacles, le dernier obstacle en vue avec Coens Razzle Dazzle à l'extérieur avec Klogen Fertrickel le long de la corde. Coens Razzle Dazzle qui va s'imposer dans cette épreuve juste devant Klogen Fertrekel. On a bien fini avec Renfis Tabita, avec Joker des Vallons, avec Coenstheimer ou encore avec Vitamine Debré. Attention sur la piste, il y a encore un concurrent. Attention sur la piste, on peut encourager maintenant Cosfort Perus qui a franchi la dernière haie et qui va aller au poteau pour l'applaudir. Donc Cosfort Perus qui termine courageusement son parcours.